Est-ce que vous allez bien ici? J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, vraiment. Je vais vous présenter mon house tour. Alors, faut savoir qu'il manque plein de petites choses, mais je crois que vous en foutez qu'il manque un petit pot de fleurs sur la table. Donc j'ai voulu faire mon petit house tour aujourd'hui, voilà. En vrai, c'est un peu le bazar. Après, vous allez me dire, là dans la vidéo, c'est archi pas le bazar, mais moi je trouve que c'est le bazar. Genre, il y a plein de petites. Vu que ça fait. Là, ça fait quand même 2 mois qu'on a emménagé. Hein. Je dirais, il y a 90% de fées dans cette maison. Mais voilà, j'ai super hâte que vous voyez ma petite maison. J'attends mon cadreur et je vous montre ça. Pff, il est quelle heure là? Il est 13h20, il fait un temps pourri. Voilà, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo, les gars. Putain, il y a plein de bordel, il y a de la poubelle là. Je vous fais un petit rush parce que. Je crois que c'est mon repas préféré. Du chèvre et de la mâche. Qui a inventé cette dinguerie? Désolée pour les bruits de bouche. Voilà, c'est tout. J'ai mis mon intro et je suis en train de manger. Bonjour! Ça va, Nico? Ça va? Bah ouais, et toi? Donc là, c'est mon entrée. Petit porte-manteau. Je le kiffe, mon porte-manteau. Il vient de Maison du Monde. Je voulais remercier Maison du Monde parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup, beaucoup de meubles. Et je les trouve super beaux, vraiment. Je les trouve géniaux. Voilà. Bon, on commence par la cuisine? J'adore, trop belle cuisine, elle est super grande, il y a les fenêtres, gigantesques fenêtres. Et genre ça fait une luminosité de fou malade. Là si vous voulez mes petites pâtes, mes petits bocaux de pâtes, c'est vraiment très Pinterest, hein, je crois. À fond. Même ça c'est Pinterest, de toute façon je suis madame Pinterest. Hein. Machine à café, ça je les ai, non ça je l'avais avant, mais ça je viens de l'acheter, je trouve ça trop cool. Regardez mon petit placard à épices. Ça, j'en suis très fière. Hein, Nico, j'en suis très fière. Waouh. Mais je kiffe trop. J'adore ma cuisine. Et juste après, là, il y a la buanderie. Là, c'est plus ce truc pour nettoyer la maison, le linge aussi. Et là, il y a une douche. Avec des cheveux. Ouais, parce qu'en gros, non, mais on s'est dit, genre Doc, il fume ici. Et à chaque fois, on prend les chaises de la cuisine, on les ramène ici. Et nos anciennes chaises, elles étaient dans la cave. Et on les a mis ici. Du coup, genre il fume face à la douche. Ouais, c'est ça. Genre, genre pensif de ouf. Punition. Aussi. Non, mais il se met à la porte et voilà. Mais il y a une douche là. Genre, je comprends pas le concept. Mais le mec nous a dit, ouais, mais ici, il y a beaucoup de gens qui font du cheval. Et c'est cool quand t'as plein de boue et tout, et tu te mets dans la douche. Et là, machine à laver, sèche-linge. Et on les a mis l'une au-dessus de l'autre. C'est trop bien parce qu'on a acheté ça chez Leroy Merlin. Et c'est des tapis antidérapants. Voilà. Ça, c'est petit panier à linge du Doc. Non mais le mec il m'a dit ouais je veux plus qu'on fasse notre linge ensemble, enfin que tu fasses mon linge. Et du coup il y a son panier à linge sale et j'ai mon panier à linge sale. Voilà, il fait son linge, je fais mon linge. Là j'ai mon petit miroir ici, très beau hein. Je l'avais dans les toilettes avant. Et ici j'ai une petite console Maison du Monde. Très belle, je l'adore. C'est juste pour mettre les clés, batterie, là mon Mac. Et là j'ai remis mon petit truc à boucheux. On boit pas énormément hein. En combien de temps quoi? En un an et demi. Ça va. Faut faire des chouilles, ouais. Pour en faire plus. Et j'ai aussi rajouté en dessous un truc qui passe pile pour les chaussures. Amazon, ça. Ça, c'est une dinguerie Amazon. Et toujours mon petit aspirateur robot. On peut passer à la cave. Mais la cave, vraiment, c'est la pièce bordel. Il faut qu'on la range. Ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Ouais, une imprimante 3D. C'est ad hoc. Ça, vous verrez. C'est un petit bout de mon canapé qui passait pas. Donc je l'ai rangé. Sinon il y a tout le bordel. Mes vêtements d'été que j'ai stockés là. Et ça c'est tous les outils de Doc. Tu sais ce que je lui ai acheté pour son anniversaire? Parce que du coup ça sera passé. Ouais. C'est mercredi son anniversaire à Doc. Mercredi. Ouais. Et bah je lui ai acheté un établi. Belle établi. Oh. Plus une belle... encore un truc comme ça. Pour bien mettre ses affaires. Vraiment et plus
une ceinture pour mettre ses outils. Non mais rigole, parce que en gros quand on faisait des petits travaux et tout dans le dressing, je devais lui passer le tournevis et tout. Et je dis, tu veux pas une ceinture toi? Il me dit, ah si, ça serait super pratique une petite ceinture là pour sortir mes tournevis. Du coup je vais acheter ça. Les toilettes, très important, parce que je les ai un peu cuvette noire, poubelle noire, petit truc noir. En vrai, Leroy Merlin, Amazon je crois. Et ça, c'est ce que c'est Nico ça? C'est pour poser ses pieds, quand tu fais caca. Ouais, mais genre, je vais pas faire la position, mais... c'est pas bon de faire caca genre, comme tu fais caca. Faut avoir les pieds... Surélevés. Et du coup, t'as une bonne position pour faire caca. Enfin bref, voilà. Acheter ça, c'est une dinguerie. Et là, on passe au salon. Il manque des choses. Je crois que ça se voit qu'il manque quelque chose, non? Voilà. T'as la soirée de fou. Ouais. Pète sa mère la soirée ici. Pas de musique, rien. Trop bien. Ouais, et voilà. Ouais. Mais il y aura une table ronde. Si je la reçois avant la vidéo, je vous mets une photo. Sinon, la photo du site, hein. Je vous mets ici. Mon miroir, incroyable. Dingue mon miroir. Maison du monde aussi. En fait, j'ai une maison. C'est Maison du monde. C'est un magasin Maison du monde. Mais trop trop belle. La lampe Maison du monde. Trop trop belle. J'active trop la lampe. Et c'est aussi Maison du Monde, et je trouve qu'on dirait pas une fausse plante. Genre j'aime bien. La mère de Doc, elle m'a acheté une plante. Je suis en train de la tuer la plante. Vraiment, il faut pas m'acheter de plante. Genre j'adore, je trouve ça trop beau, mais je crois qu'elle est en train de mourir. Enfin bref. Petit buffet, il y a encore rien dedans je crois. Ouais. Maison du Monde, le buffet. Je vais mettre de la vaisselle, je vais en acheter. De la belle vaisselle pour les invités, et là du tiroir. Il y a du bordel, bah genre mes petites bougies et tout. Ça, Maison du Monde, j'ai une baraque Maison du Monde hein. Vraiment. Maison du Monde, sponsor. Ah mais ouais. Ça je crois que c'est Maison du Monde, mais Marketplace. Maison du Monde. Je sais pas ça. Un petit plateau. Maison du Monde. Tu sais que tout le monde quand il vient ici, il me dit c'est trop beau ça. Genre ça sert à rien hein. Mais c'est beau. C'est censé représenter quoi? Bah je sais pas, des nœuds, un nœud. Puis c'est lourd quoi. Maison du Monde aussi. Ça va bouger je crois, parce que en gros dans l'idée, ça c'était dans mon bureau, anciennement dans mon bureau, et je veux plus de frigo dans mon bureau, ça me sert à rien. Et sauf que ici au niveau du bar, on va avoir besoin d'un frigo, mais on va le mettre ici, derrière le bar. J'avoue je vous ai pas montré le bar, j'ai un bar chez moi. Et je crois qu'on va enlever cette planche là, et on va incruster un frigo dedans, pour mettre genre bah, tout ce qui est bien. Oh là, oh là. Et je bois pas un micro T'es faux folle là ou quoi? Je vois pas. J'ai du sel. On pourrait savoir pourquoi? Bah c'est pour quand ton plat il est pas assez salé. Ah d'accord. Peut-être pour ça. Ah. J'ai plein de shots. J'ai acheté plein de shots Amazon. Hein. Je suis la promo de shots. Et des verres à whisky. Et je crois que je vais mettre dans le cocktail aussi. Je vais faire des bons petits cocktails maison. Ouais. Hein. Je suis le fou. J'ai tout le matériel. Mais le bar Maison du Monde aussi. Je trouve incroyable. Regardez le devant. Et mes chaises. Regardez mes chaises. Je suis trop contente. Pourquoi je crie quand tu dis regarder mes chaises? Je suis trop contente. Mais regardez comment elles sont belles. Pédale de vélo. Bon, ça tombe pas. Hein. J'étais un peu deg, mais j'en étais sûre. Mais le bar et les chaises, elles sont trop trop belles. Ça, Amazon. C'est pour mettre les verres. Vous l'avez deviné, je pense. Et ça, Amazon aussi. Oh, et on a mis du whisky dedans. Mais j'ai l'impression que genre vraiment ce coin, ça fait vraiment alcoolique de fou, on dirait qu'on est alcoolique, mais je ne bois quasi pas, et Doc non plus. Genre c'est plus vraiment pour recevoir ce petit coin. Après pour le coup un bar, c'est vraiment l'utilité d'un bar. Ouais. Après genre la dernière fois, un soir avec Doc, on s'est servi un petit whisky quoi, deux, c'était sympa. Mais voilà, genre c'était hyper, c'est vraiment une fois par mois quoi. Est-ce que tu buvais ton whisky sur ces chaises là? Ouais genre tout là, comme seul ça. Comme ça. C'est sympa la soirée ici. C'était vraiment super fun. Et la vitrine. Je voulais vraiment une vitrine comme ça, j'adore ce style. En vrai, le style de la salle à manger, c'est un peu indus, je trouve. Et j'ai mis tous mes verres dedans, faut que j'en achète encore, j'en ai pas assez. Et là, on a mis plus les belles bouteilles. Et on a caché les plus moches en bas. Attention, l'alcool est à boire avec modération. Voilà quoi, un truc comme ça. Ouais. Voilà, et ça, je l'avais acheté dans mon ancienne maison, c'est fabrique de style. Voilà, c'est très très bon. Et on passe au salon, hein. Bah regardez. En fait, le problème, c'est que ma table, je l'ai reçue ici, mais sans pied. Genre, comment voulez-vous que je mette la table sans pied? Voilà, les rideaux, mes fameux rideaux qui traînent tout le temps.
Il me l'avait dit dans la dernière vidéo House Tour. Mais je vais les couper là, c'est bon, c'est décidé. C'est bon. Et je vais les... Enfin, c'est pas moi, parce que je sais pas coudre. Mais on va me les raccourcir. Ça va être plus propre. Est-ce que ce serait pas le moment du canapé? Je crois, ouais. C'est un canapé, tu ne peux pas sortir de ce canapé quand il est. 1, 2, 3. Il est incroyable. Je le trouve dingue. Vraiment. En fait, c'est une assise un peu particulière. Genre, hop, t'es comme ça. T'es allongé, quoi. Ouais, en fait, t'es allongé. Mais on est vraiment trop bien. Et on peut même se dire, ouais, ça, ça bougeait tout. Ça s'est clipsé à ça. Et on peut se dire aussi en mode, ouais, mais il n'y a pas trop de coussins. C'est pas très confort. Si, si, c'est hyper confort. Après, si vous voulez être encore plus confort, vous mettez le petit oreiller. On est trop bien. Et surtout, avec ça. Alors là, ça, c'est ma place. Ici, c'est ma place. Vraiment. Je suis trop, trop bien. Mais c'est une dinguerie quand tu ne peux plus bouger du canapé. Déjà, c'était mon problème. J'arrivais pas à bouger de mon canapé. Alors là, j'ai envie de pionce dedans. Je l'ai même dit à Doc. Hein. J'ai dit à Doc, ouais, si un jour je m'endors dans le canapé, me réveille pas. Je dors. C'est bon. Donc merci beaucoup, Vetsack. C'est un Vetsack, le canapé. Voilà. C'est quali de ouf. Vraiment. C'est vraiment une trop bonne qualité. C'est du velours côtelé. Et je voulais vraiment un canapé en velours côtelé. Après, mon meuble télé, c'est mon meuble télé d'avant, je ne l'ai pas changé. Mais vous pouvez voir que ce n'est pas le même bois, enfin pas la même couleur de bois que la table basse. Et ça me chagrine, hein. Je te jure, j'ai l'impression d'écouter Valérie D'Amido dans la déco. Mais ça, les petits pieds aussi, c'est pas de la même couleur, genre c'est pas la même couleur de bois. Et ça me chagrine de fou. Et du coup, je crois que je vais acheter une huile à bois à Leroy Merlin. Et je vais peindre celui-là et les pieds de ça. Pour que ça soit de la même couleur que ça. Voilà, et Maison du Monde, je l'adore. On est trop bien dessus. Sympa, hein? Adidas. Bon, bon, bon. Moi, t'es-moi la paire. T'es-moi la paire. Ça va pas du tout avec le pantalon. Et un petit repose-pied. Maison du Monde. La table. Table basse. Pépite. Maison du Monde aussi. Elle est vraiment quali de ouf. Je l'ai montée toute seule et je peux vous dire qu'elle était lourde. Mais elle est trop trop belle. Je voulais vraiment avoir une table aussi un peu ovale avec des formes irrégulières et des gros pieds comme ça. J'adore. Voilà. Et la petite horloge aussi. Très sympa. C'est un cadeau d'un Doc. Il a depuis longtemps, mais vous pouvez trouver ce style d'horloge partout en vrai. Je suis sûre, Maison du Monde, ils en font. Ah, il y a une petite lampe aussi, celle-là. Bah, je l'avais aussi dans mon ancienne maison. Hein. Et c'est aussi un cadeau de la maman de Doc. L'escalier avec du verre, je trouve super beau. J'adore ce petit espace, même s'il sert à rien. Je l'aime bien, avec cette grande fenêtre. Ça, c'est à Doc. Ça, c'est encore du bordel à Doc, ça me saoule. Ah, je vais le mettre dans... C'est pas du bordel, c'est super, ça. Oui, c'est super, mais pas ici. Pas fou. C'est pas ici, dans des boîtes, en plus. Ça m'énerve. C'est qui, lui? Lui, c'est marque 2. Parce qu'en bas, c'était marque 1. C'est marque 1, lui, marque 2, et dans le jardin, on a un marque 3. Est-ce qu'un jour, vous aurez un marque-page? Et là, on arrive encore dans le couloir où j'ai mis mon piano. Mon petit piano, enfin un piano de Doc, c'est lui qui l'a payé. Ça c'était dans le bureau de Doc avant, et on l'a mis là. J'ai mis la petite déco qui était dans mon bureau aussi avant lui ici. Je suis pas non plus hyper fan, mais ça fait le taf. Là c'est mon bureau, parce que vous l'avez, enfin mon dressing. De toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, hein. Mais j'ai rajouté le miroir, il y avait pas de miroir avant. Et là, il y a encore un peu de bordel. Et là, c'est où j'ai mis mon bureau. Faut que je fasse encore mon câble management parce que ça va pas du tout. Mais c'est horrible. Oh lolo. C'est horrible. Oh, quelle misère. Ouais, j'ai encore plein de câbles et tout. J'ai ma cam à mettre. J'ai mon micro aussi à mettre. J'ai encore rien installé parce que j'en ai pas eu besoin. Mais je pense reprendre les lives parce que j'ai envie de jouer. C'est l'hiver et j'aimerais bien être sur mon PC en train de jouer. Et voilà. Mais j'adore mon dressing. Alors, je suis hyper fan. Hein. Vraiment. Je mets aussi ici parfois comme ça. Vraiment, on a envie de venir chez toi. Hein. Ah ouais? On va s'amuser à fond. Ça donne envie? À fond de balle. Hop, et c'est une petite porte coulissante, j'aime bien. Et on passe à la salle de bain. Salle de douche. Parce qu'il y a deux salles de bain. Il y a une salle de douche et une salle de bain. Panier à linge. Panier à linge de chez Amazon. Il est trop trop bien. Parce qu'en gros, on peut poser des trucs dessus et ça coulisse. Voilà. Et ça, Maison du Monde, un petit buffet. Je ne pense pas que c'est un buffet de salle de bain de base, mais je trouvais qu'il rendait super bien dans la salle de bain. Voilà. Ah, ça aussi, porte-serviette, Amazon.
mais j'ai envie de changer. Je sais pas, je suis pas encore satisfaite de ce porte-serviette. En fait, le truc, c'est que si je déplie ma serviette, elle touche par terre et ça me dégoûte. Amazon. Et ça, Amazon aussi. Dinguerie, ça. Je l'aime bien, la petite salle de douche. Elle est sympa. Elle est simple et efficace. Voilà. Ah, vous voyez, il y a l'aile droite et l'aile gauche. C'est ici, l'aile gauche. C'est arrogant encore ça. Et là, attention, ma chambre, petite mais efficace. Genre le lit prend quasi toute la place de la chambre, mais en vrai ça me va. Il y a encore du bordel là. C'est des trucs que je vous montre pas ça. Sur Instagram. Ça va se cacher. Qui est-ce qui dort là? C'est moi. Ah. C'est pourquoi? Parce que s'il y a des méchants qui viennent la nuit, bah ils attrapent Doc en premier. Petite vue de ma cour intérieure. Cour intérieure. Eh mais t'es arrogant dans cette vidéo, c'est un truc de malade hein. Salle de douche. Les gens ils savent que droite, aile gauche. Les gars, ma deuxième salle de bain. Ça c'est une salle de bain, c'est pas une salle de douche. C'est pas une salle de douche ça. Mais je l'appelle la pièce à mouches. Genre c'est une dinguerie. La fenêtre n'a jamais été ouverte, il y a des mouches. C'est une dinguerie. Je sais pas où, je me dis, il y a peut-être un trou par la fenêtre. Je me dis que tellement qu'il y a de mouches, j'ai l'impression qu'il y a un cadavre chez moi. Genre il y a des combles, je sais qu'ils sont pas habitables, mais j'ai trop peur qu'il y a un cadavre chez moi. Les toilettes, voilà. Donc c'est plus caca en bas. Bah y'a pas de repose-pied là. Bah ouais, c'est pour ça que si t'as envie de vraiment de chier, bah tu vas en bas. Hein. Bah ouais. Ou sinon tu fais sans truc. Et ça c'est une dinguerie, ça j'ai pas mon téléphone, mais c'est un repose-téléphone. Voilà. Quand tu t'essuies tout, tu poses ton téléphone ici, et voilà. Les détails. Ouais, les détails qui font tout. Je vous montre un peu le jardin. Un petit peu, j'ai pas trop envie de montrer mon extérieur, mais un petit peu. Il fait froid, il fait un temps pourri aujourd'hui. J'ai remis mon salon de jardin ici, on a une terrasse. Mais je trouve ça cool, je sais pas, genre qu'on voit la cuisine, comme ça. Et là qu'on voit le salon, j'ai une petite baie vitrée pour qui donne au salon. Je trouve ça cool. Barbecue, toujours ici. On l'a mis là, je trouve qu'il vit bien. Bon, faut que j'aille à la déchetterie, hein. On a déjà fait un aller-retour hier, mais c'est passé. Et je vous montre Marc 3, regardez Marc 3. Ah ouais, il est plus gros que les autres. Ouais, il passe tous les jours, à 13h, voilà. Donc ça me fait rire, je suis genre dans ma cuisine et je vois Marc 3 passer dans mon jardin. Et voilà, c'est un robot tondeur, si vous voulez pas deviner. Et j'ai aussi un petit abri de jardin. Mais y'a rien de spécial, y'a rien de foufou. Ça pue un peu en plus. C'est mort. Mais ma mini elle est toujours ici. Hein. Regardez, je suis dans ma cuisine, j'ai vu sur ma mini, c'est pas beau. Bon, vraiment, cet espace là, il est hyper cocooning, j'adore. Je voulais encore remercier Maison du Monde pour tout ce qu'ils m'ont offert. Super gentil, genre, est-ce que un jour, parce que j'ai collaboré avec eux sur Instagram, et genre je savais pas du tout qu'un jour j'allais collaborer avec Maison du Monde. Genre c'est fou, c'est une dinguerie. Genre j'adore Maison du Monde depuis des années, j'achète tout là-bas, et je collabore avec eux. Et merci Vetsac pour le canapé, je suis trop contente, je l'adore. Voilà, mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une rêve que j'ai oubliée, il y a fort moyen. J'ai pas tout dit. Je vous fais des gros bisous les gars, et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.